Bonjour à tous et à toutes, ici on va se retrouver sur Orc Musa Unchained. Alors on m'a demandé de partir en attaque, alors on va partir en attaque. Alors on a pris Black Pow, hop, on verrouille. Alors le deck c'est quoi? Ça va être avec beaucoup d'égrouilleux et avec des satyres. Bon pourquoi pas. Un Urza un Bulgode, moi. Ça peut aller. Ah, Cygnus, c'est un super défenseur, mais il est bon en attaque. Il est bon en attaque à partir du niveau 10. Les gens qui commencent à insulter comme ça dans le chat dès le départ. Oh, pas de potes. Ouais, je vais crier un petit peu dans le chat parce que j'en ai un peu ma claque. Ça fait 3 games que je suis déco en début de game parce qu'il y a un AFK en face. Parce que maintenant ils ont fait que quand en fait il y a un AFK en face, ça nous déconnecte automatiquement de la game en fait. Ça annule la game. Donc tu perds 3 minutes à la chercher, 2 minutes à lock, 2 minutes à charger. Tout ça pour annuler au bout de 1 minute de début de game. Alors j'ai trouvé comment faire pour virer l'écran noir entre les deux chargements. C'est pas plus mal, hein. On va pas se plaindre. Voilà, hop, on part sur le deuxième. Alors vous avez l'écran de chargement, bon c'est pas un écran noir, c'est déjà ça. Alors, pom pom. Alors, pourquoi est-ce que je n'aime pas jouer à l'attaque? Tout simplement parce que généralement les défenseurs savent pas défendre, ils posent 3 pièges, puis au bout de 2 minutes ça queen. Ouais, je sais pas défendre, venez m'aider. Ok, il y a deux AFK en face, la game va sûrement encore être annulée. À moins qu'il se pointe incessamment sous peu. Espérons. Bah c'est bon, ils sont venus. Alors Cygnus est en rotation, donc du coup, il y a tout le monde qui le joue. C'est un peu chaud parce que Cygnus, moi j'adore ce perso, c'est mon perso principal d'ailleurs. Et c'est vraiment pénible de jouer contre lui. Hein. Bah d'ailleurs les gens ils chouinaient quand ils jouaient contre moi donc. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est que Black Power? Black Power, il va avoir un clic droit qui va affaiblir une cible. Dis pas de conneries. Voilà. Il va faire une blessure à un adversaire, donc ça va le marquer. Et les attaques qu'on va faire contre l'adversaire qui est marqué, faire plus de dégâts. Le A va invoquer des gnolls qui vont nous aider, le E va faire une grosse morsure qui va nous régénérer des PV, et sinon son attaque c'est des attaques de cac. On invoque des grouilleux, je n'ai pas l'argent pour le glyphe. Alors on ne peut pas aller chercher les caisses. Ces caisses, maintenant ils ont fait un système que c'est ignoré. Ouais. Qu'est-ce que tu me touches, toi? Je crois que c'est Noël. 3 en attaque? Ça va être lourd, ça. Alors, est-ce qu'on a un autre? Oh, non, il n'y a que moi qui peux poser des glyphes. Ok. Ah, maintenant ils ont mis ici le rôle également. Ils ont ajouté ça. Ok, il a repassé par les ours, c'est pas plus mal au départ. Popopom. Alors, je suis un peu dans la dèche. Oh merde! Oh, c'est joli ça!
Il a pris un revers, c'est bon ça. Il va faire un doublé. Voilà. Il a vraiment bien joué son coup. On l'a pas vu venir. Prochaine vague, 20 secondes. Ouais, j'ai le temps d'aller chercher la caisse à droite. Ouais, il va se calmer là. Et il est chaud, hein, le Max. Alors, il y a un AFK en face, apparemment. Enfin, un AFK. Il s'est déconnecté, il est pas AFK. Alors, on va suivre ici. Ouais, des gars qui collent. Ouais, mais non, on va faire plus de régénération de PV parce que ça devient vraiment la misère. Ça, on s'est pas approché. Pouah, mais il me saoule lui. Oh, sérieux. Il va me saouler longtemps à ce mec. Ok, le mec est revenu. Ça aurait toujours pas le pognon pour le glyphe. Ouais, je suis en faux de classement. Les sanctuaires sont à prendre. Les gardiens, on va essayer de le descendre. Hop, on a tué un gardien. Hop. Alors, il y a encore le Max qui est chez nous. Au niveau 1, merde. Alors, on y a été juste pour sauver l'allié, hein. Allez, toujours le même quoi. Alors j'ai empêché la faille de l'autre. On savait que la Smolder à droite allait chercher le sanctuaire. Moi je vais aller chercher, si elle y va pas. Alors j'ai vu qu'il y avait un mec qui se baladait chez nous, sympa. On va chercher le portail. Donc il n'y a personne. Faire genre. Nous arrivons à percer leur défense. Hop.
Ça les oblige soit à venir sur moi ou alors à aider Fort au choix. A deux, ça ira encore plus vite. Ça nous fera peut-être un boss avec un peu de chance. Allez, allez, allez. Ok, on a le boss. On va donc retourner très vite en attaque. Mais d'où? D'où? Ah ouais, mais c'est encore lui! Alors on a eu le boss. Je sais, il faut très vite à la porte. Les défenseurs, encore une fois, bah voilà, il n'y a personne pour défendre. Voilà, que les trucs de nafta, des coupeurs qui sont sur un mur qui bougera pas. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon, moi j'en ai ma claque, je vais attaquer de l'autre côté. Là, il faut un attaquant sur chaque ligne pour pousser la porte. Au spoil derrière les creeps. Hop, on prend ça, on se barre avec les creeps. Allez, meurs. Hop. M'en fous, je suis mort, mais bon, deux gardes. Je les ai obligés à tous se replier à gauche pour défendre. Donc, du coup, les autres devraient être tranquilles. Maintenant, on va pousser le mid. Ou pas. On va peut-être d'abord aller défendre là à droite parce que, apparemment, ils ont du mal. Hop, j'ai pile assez pour aller mettre mon glyphe de l'autre côté, mais je crois pas que j'en ai encore. Ah, il va me dire, ouais, j'ai plus de glyphe. Alors, ok, ils ont mis des niveaux 2, on pourra remplacer ça par des autres, donc on va mettre ça. Ah, mais va peu de pendre.
On va se barrer de là, on va chercher Sanctuaire de l'autre côté. Voilà. On va refaire le portail. Voilà. Hop, on va chercher le sanctuaire le plus vite possible. Bon, j'en ai tué un. Même pas, mais Guignol les ont pas tués, Ah si si, ça a tué. Bon, je suis à 2-1, ça va. Elle reste bien sur le portail pour les défendre, c'est bien. J'ai tellement enfoncé le côté gauche en fait que ça les occupe bien. Tant mieux. Hop, hop. Comme je disais, on va push un petit peu au mid. Pour qu'ils se battent pour le sanctuaire, moi je serais défoncé la porte. Oh, pour prendre un peu de vie. Alors je suis mort, bon. J'ai défoncé la porte et du coup on a le sanctuaire grâce à ça. Ah, soit ils venaient sur moi avec genre ils empêchaient le garde de mourir. Ou alors il prenait sanctuaire pour le boss, mais voilà. Donc du coup, bah on a le boss. T'es deux, oui, je filme d'une force. Je filme mais je fais mon boulot. M'en fous, j'ai enfoncé deux gardes à gauche. Là au mid, j'ai enfoncé un ou deux gardes aussi. Moi, je vais placer le boss, y'a pas de problème. Je vais mettre un Urza. Pour aller push avec la ligne. Bon, dans ça, on touche et la caisse. Oh, il me saoule ce mec. Ouais, on va faire plus d'absorption. Ok. Ils ont perdu de la mana, ils ont perdu un peu de tout. Je vais avec le boss, moi. Après tout, je l'ai placé, donc c'est à moi à l'accompagner. Allez, on avance, on avance. Allez, mais d'où ils sont sérieux quoi.
Bon, normalement, ça devrait au moins buter le gardien là. Ils sont que deux dessus. Lui, il est en train de bien pusher le mid. Il a compris le concept. Allez, chez nous, en mode posé, tranquille, peinard. Par contre, ce serait bien de passer les portails à 3. Celui de droite, là, il devrait passer à 3 sous peu. Allez, abuse quoi! Les dégâts qui collent, mais c'est abusé quoi! Ah c'est bête, t'as tué quelqu'un? Il y a un creep qui est passé au moins? Non. Oh! Ouais! Ouais. Bon, on va remettre déjà la Hearth ici. Buter l'ours qui reste. Va mourir. Voilà. Faut aller push avec un ou l'autre. Moi je vais faire ce côté ici. Ok, ils ont fait un piège qui fait que. Hop, on a pris le truc, on se barre. Alors les jaunes c'est contre les héros. Ils ont pas remplacé dans le portail. Pas celui-là. Ok. Hop. Hop, croque. Prends ça pour augmenter. Ouais mais non, c'est pas possible ça. Et c'est une cracotte hein. Le garde est à moitié mort à droite. Ouais on a un boss, ok. Je suis pas là pour le placer donc c'est quelqu'un d'autre qui va devoir le mettre. Devrait bien se passer. On va mettre le boss à gauche. Hop. Hop, on va se dépêcher de retourner à la base. Les dégâts qui collent quoi.
Nous, ils courent plus vite que nous, allez, sérieux. Hop, on se met ici pour faire vraiment plus de moins de dégâts au creep. Ça te prie. Ça aussi. Hop, on va prendre la caisse là. Quadri shot. Ok. Allez. Allez, rentrez tous dans la faille. Et voilà. Alors, bah j'ai fait comme à port, mais au moins j'ai fait mon boulot, hein, faut arrêter de déconner. M'en fous, j'ai donné les gardes à gauche, les gardes à droite, c'est humide et tout. Ah, un coffre en plus. C'est bien, et y'a quoi dedans? Ah, des potions de garde, ouais. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas non plus exceptionnel. Un niveau? Ouais, ce serait bien, génial. Niveau 26 du compte. Un peu de braise, un peu de pignon, ouais. Est-ce qu'on a quelque chose à forger en direct? Ouais, on peut faire des consommables. Ah ouais, je peux crafter des consommables. Je sais même pas que ça se craftait. Pièces plus 100%. Vitesse de déplacement. Tous les PV sont restaurés. Dégâts plus 50%. Les dégâts, ça peut être bien pour quand je suis en attaque, justement. Oh, ça me demande ça et ça. Ok, bon, on fabrique, hein. Ça m'en fabrique combien? Une? 6. Ok. Ok, bon, on va faire ça et on va faire. Ah, je peux fabriquer des sbires aussi. Ah, je peux faire mes kobolds ou des orques légers. Ou des tirs plus haut. Des kobolds de tir 1. Oh oui, des kobolds de tir 1, ça m'inspire bien par contre. Je peux aussi faire les cobbles de tier 2. Et c'est tout. Est-ce que je peux encore faire des potions? Je crois pas que du... Ah si. Bon, on va faire des potions de vie aussi. Voilà, on a plus assez d'armure pour ça. Donc on va éditer le deck. Le rush. Modifier le deck. Allez, je mets en plus grand parce que sinon moi je vois pas. Alors ça, ça me servira à que dalle. Vaudrait mieux à ce moment-là avoir ouais, peut-être celle de téléportation. Ou ça, c'est quoi ça? Ah, pour merci de rencontrer. Ouais, donc ça fonctionne aussi contre les héros. Voilà, alors les boss. Alors celui-là il m'inspire pas, mais je vais peut-être prendre cette quête celui-là. Prestige joueur, sur short bataille. Et ça. Ouais, ça peut vraiment être sympa ça. Ça draine la vie des. En fait ça va pomper la vie des héros qu'il y a en face. Et ça réussit, donc ça pourrait. Ouais non, on va essayer ça comme ça. Alors oh tiens, les arbitriers, je vire, je vais mettre les kobolds à la place, et à la place de ça, je vais plutôt mettre ça. Hop. Au tier 2, on va prendre donc on va virer les arbitriers, on va mettre les kobolds. En tier 3, on va garder ça comme ça. Et en tier 4, on va garder sa tire pour le rush. Au niveau des pièges, popopom. Ouais, ça j'en ai pas besoin. Plutôt ça, c'est pas trop cher. Vu que je suis en rush, il me faut des trucs qui sont pas trop chers à placer. Ça fait combien? 1300.
400. Ouais. Ouais, je peux virer ça et mettre ça à la place. Ça coûte moins cher. Il affiche des dégâts physiques. Ouais, mais ils disent pas c'est quoi comme dégâts physiques qu'il fait. Oh, ça passe comme ça. Hop, on enregistre. J'aimerais bien pouvoir me faire de nouveaux outils. Je sais pas comment est-ce qu'on les fait les outils. On va regarder ça. Survie. Équipement. Ça, à la limite, ça pourrait vraiment être bien. Ok, il faut des baguettes et il faut des cristals radieux. Bon, j'ai 4 cristals radieux, les baguettes, ouais, j'en ai 63. Les crânes, ça, je m'en fous, ça se gagne à l'appel. Voilà. Ouais, c'était donc une vidéo avec Black Power en mode attaque. Bon, j'ai fini comme un porc, mais j'ai fait mon boulot. On a gagné, c'est le principal. Le seul truc qui me fait un peu chier, c'est que j'ai pu placer qu'un seul glyphe. Je sais pas quoi est-ce qu'on fait pour en placer plus d'un. Bon. Peut-être que je pourrais améliorer le glyphe, c'est possible aussi. Donc voilà, j'espère que vous aimez, que vous avez kiffé, et à plus tout le monde!